garde avec mon studio puisque l'heure est venue d'écouter celle avec qui on termine tous les jours euh, cette émission et qui aujourd'hui va nous parler de faire silence. Elle en perd son stylo. Anne Casobo, aujourd'hui on fait silence. Mais oui, c'est presque un comble d'ailleurs de parler de silence à la radio dont, a priori, le principe est de causer dans le poste, comme dit mon grand-père. Vous savez d'ailleurs qu'en radio, en tout cas à Europe 1, hein, un programme de secours se déclenche automatiquement au bout de 6 secondes de blanc à l'antenne. C'est prévu en cas de pépin, c'est-à-dire que si aucun son n'est émis pendant 6 secondes, l'émission que vous écoutez s'arrête et un programme non daté, atemporel, est lancé. Le temps pour les techniciens de s'attraper une bonne petite suée derrière la console en régie et de résoudre le problème informatique ou logistique. Oui, en radio, le silence est mal vu à connaître c'est du brutal. Oui, ça c'est sûr. Et pas besoin de travailler derrière un micro pour avoir peur de ce silence. Plus jeune, moi j'étais terrorisée par lui. Alors partout, dans chaque pièce de l'appartement chez mes parents, j'allumais des postes de radio que je laissais brancher et qui crachaient, des flash infos d'un côté, le dernier tube de YouTube ou un air d'opéra de l'autre. Chaque radio était donc branchée sur une station différente dans chaque pièce. Et à l'époque, ça me rassurait. Il y avait cette voix qui parlait dans chacune des pièces dans laquelle je pénétrais. Je vous laisse toutefois imaginer la cacophonie ambiante qui régnait dans, dans cette maison. Ça m'apaisait en tout cas, mais à bien y regarder aujourd'hui, ça étouffait la voix intérieure qui cherchait à s'exprimer en moi. J'entendais le bruit de ce glooby boulga radiophonique, mais je ne m'entendais pas. Je n'entendais pas ce pourquoi... J'étais là. Le pire, c'est que cette petite voix intérieure, j'ai continué à la baïonner pendant un certain temps, à remplir mon, mon agenda à outrance, à éviter de me retrouver seule, à caler des cafés, des sorties, à me visser des écouteurs dans les oreilles, à avoir des amis pour tout, pour rien et à ne plus passer une seule minute avec la personne avec laquelle j'allais faire chemin jusqu'à la fin de mes jours. Moi-même. Il faut dire que même si on voulait se plonger dans le silence, c'est quand même assez dur à trouver en ce moment le silence. Oui, ce vide-là, il fait vraiment peur. C'est un peu comme la vie sans télé. Oui, c'est <laughs> une manière de voir les choses. Alors on met de la musique dans les ascenseurs, des vidéoclips dans les magasins, les halls de gare. La nature a horreur du vide, hein, c'est bien connu, comme ce commerce qui a fermé dans ma rue et sur lequel quelqu'un est venu taguer. Vide, V-I-D-E, sur les vitres. Un tac de peu d'intérêt, hein, vous en conviendrez, mais c'est comme si, au fond, ça dérangeait cette personne que les lieux soient vides pour un temps. Du moins, avant qu'un prochain café ou une boutique n'ouvre à cet endroit. Considère ça comme un divorce. Alors, divorce, je ne sais pas, mais rupture en tout cas. Le silence, c'est rupture avec le floss incessant, le débit infini de paroles, plus ou moins sensées d'ailleurs, hein, délivré par toutes sortes de canaux. Et si enfin... On laissait entrer ce silence. Fini les vannes, hein, fini la bonne humeur, tout ça c'est game over. Pas forcément, mais faire silence à l'intérieur va me rendre perméable. Et si en plus je m'entoure de beauté, de magnifiques toiles de maître, d'un coucher de soleil sublime, de chants de lavande, d'un mauve éclatant, si je m'entoure de beauté silence, alors je permets à cette beauté d'entrer en moi. Grâce à ma respiration, grâce à ce silence intérieur, je vais pouvoir me mettre à l'écoute du monde, à l'écoute des autres, sans tenter de répondre, d'argumenter ou de blesser, et plus que tout, à l'écoute de mes aspirations profondes, de ma mission de vie et de ce que mon âme cherche à me faire comprendre depuis trop longtemps déjà anne-clotilde ziegler là vous êtes tout à fait d'accord ah oui, avec trouve les ça vertus du magnifique silence. magnifique vraiment merci beaucoup